Bon, maintenant on va percer le mur. Alors c'est la partie la moins drôle parce qu'il faut arriver à sortir dans la tranchée. Donc on a quand même branché l'aspirateur. J'ai mon forêt qui va bien, qui a déjà bien servi, qui est déjà bien usé. J'espère qu'il fera encore le job. Et on a branché ça sur le Delta Pro, sachant que j'ai coupé le courant puisque j'ai des câbles électriques qui passent là. Je suis sûr d'être au-dessus, mais je préfère assurer. Ah bah dis donc, je pouvais pas beaucoup mieux tomber, hein. Puis il n'y en aurait pas eu trop long, de toute façon. Impeccable. Impeccable. Voilà, tu nous fais un Y avec de la gaine Icta de 40. Donc de la petite coupure, de l'emboîtement. Et tu viens souder avec le petit fer à souder, puis une chute de Rizan. Tu viens fondre le plastique, et puis ouais. Voilà quoi. Ça, papy. C'est bon, ça. C'est le papy qui faisait ça, papy Michel. Michel ? Les mocassins en croco, une moustache à la franco, c'est Michel. Mais ça va bien faire le job pour mettre un coup de scotch quand même pour sécuriser le tout. C'est la bifurcation aortique. Impeccable, good job. Moi j'ai mis l'adhésif rouge. Bon, ça par contre, c'est comme un goré, hein. C'était bien mieux avant, mais au moins c'est tout rouge. Alors, la gaine passe bien dans le mur. Bon, je vais la recaler comme il faut avant de reboucher. Donc elle vient bien serpenter dans la tranchée. Et ça arrive bien dans notre Y qui a été rescotché pour sortir donc de part et d'autre. Je vous rappelle qu'on a décidé de mettre un panneau supplémentaire donc qui est ici. Je vais refaire une petite dalle et le jumeler avec. Puisqu'en fait on aura deux panneaux pour le Delta Max et le Delta Pro et un panneau pour la Delta 2. Petite remarque, n'oubliez pas avant de tirer de repérer le plus et le moins de vos câbles. Puisque là comme c'est des câbles de même couleur, ça pourrait être enquiquinant. Et dans la maison pareil. Là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la terre entre guillemets végétale, hein, parce qu'elle a quand même beaucoup de cailloux, pour mettre sur ma gaine dans le fond. Puisque là j'ai beaucoup de pierres, j'ai beaucoup de cailloux pour pas abîmer la gaine. Et après je mettrai mon filet avertisseur et je viendrai recouvrir avec le reste. Thank you.
beau petit dosé à 1 pour 2. Donc un volume de ciment pour deux volumes de sable. Et il faut qu'il soit bien liquide. C'est de la soupe quoi. C'est vraiment pour salir les parfums avant de faire la couche de cordon enduit. Voilà. Bon voilà, alors là je suis en train de faire un petit crépi de petit cochon. Mon gobetti est sec et je me suis fait un enduit chaud bâtardé ciment blanc, chaud NHL 3,5 et sable avec un petit peu de terre, c'est de l'ocre, je sais pas c'est quoi comme couleur, qui me restait pour donner quelque chose d'assez neutre dans le jardin. Alors je me fais pas avec des règles à dresser à la règle et tout. Et à la truelle, c'est pas que je sais pas crépir, c'est que je veux pas en foutre partout parce que ça va me foutre de la couleur partout. Donc j'y vais à la main, ça va très bien. Et c'est vraiment juste pour faire propre au jardin. On n'est pas dans un enduit de maison, un truc qui doit être fait nickel 4 quarts. Moi je m'en fous là, c'est vraiment je fais propre au jardin, que ce soit pas des parpaings, des vulgaires parpaings mis dans le jardin comme ça. Voilà. Pour intégrer, c'est déjà pas joli des panneaux solaires, donc encore moins des parpaings. Donc c'est pour les intégrer dans le jardin le plus discrètement possible. On verra, c'est pas dit que ça soit discret. Hein. Alors les maçons qui regardent, hein, ils ont le droit de rigoler et puis de m'insulter en tchécoslovaque dans les commentaires. Hein. Et ben voilà, des bons gros chamallows tout rose tout moche. Alors vous voyez, hein, donc le fait de faire à la main, c'est qu'on a des irrégularités, on a des rondeurs, on va dire. Hein. Un peu comme si c'était un mur en pierre. Hein. On n'a pas quelque chose de très, très vif, très droit, avec des arêtes saillantes, comme placo, comme maison moderne et tout. Ça, c'est ce que je voulais pas. Moi, ça me va bien, quelque chose d'irrégulier, fait main, avec ses irrégularités, avec... avec sa particularité, voilà, c'est... Bon, après, c'est rose. Hein, ça va donner un rose, voilà, rose comme ça, là. Hein. Ben, rose un peu comme le crépi de la maison, finalement. Hein. Ensuite, il y a un peu de vent, le temps est maussade. Ça va être compliqué de faire un son correct. On va mettre en place les supports. Donc, vous pouvez voir que j'en ai déjà mis deux en place. Donc c'est des supports Unifix 600B, donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, voir le tarif et tout. Donc nous on a payé ça dans les 180 balles pièce. Donc simplement quand je vous parlerai, il y a des vis M10, donc c'est celles qui sont avec les égouts Nixtop, les SOV 41, des M8 qui sont les SOV 30, donc qui sont en sachet, et des... M6 SOV 55, voilà, elles sont toutes fournies avec les écrous, les rondelles. La seule chose qui n'est pas fournie avec les panneaux, c'est les fixations pour les fixer. Fixation pour les fixer, c'est un pléonasme.
sur moi mes supports, hein, mes supports béton. Donc qu'est-ce que j'ai pris pour fixer? J'ai pris des vis multimonti, c'est des vis qui vont directement dans le béton sans cheville. Voilà. On va prendre notre support. Ici on a deux languettes sur l'avant. Hein. Ici, donc on va replier l'une sur l'autre. Voilà, comme ça, et on va y passer donc la vis en premier avec la rondelle et on viendra boulonner derrière. Ce sont des écrous qui ont la particularité d'être crantés, donc quand ils vont se visser, ils seront indesserrables derrière. Ensuite, on prend une clé de 13 et on vient les serrer. Alors, il n'y a pas nécessairement besoin d'une clé derrière. Voilà, une fois que l'écrou s'est amorcé sur la tôle, il serre tout seul. Et on vient les serrer quand même avec un peu de poigne. Hein. J'ai fait la deuxième. On va prendre donc cette partie là où il y a comme la première pièce, donc c'est ces deux petites languettes qui sont à rabattre. Voilà, on plie et là même chose, sauf que c'est des écrous de M6 et qu'il n'y en a que deux. Donc pareil, la rondelle avec la vis et toujours l'écrou cranté. La deuxième donc est faite. Ensuite, on va nous demander de régler l'inclinaison en fait et de fixer donc cette pièce là qu'on vient de faire sur la première pièce support. Régler l'inclinaison et la fixer par trois boulons de M10 de chaque côté. Donc 3 ici et 3 de l'autre côté, pareil pour l'autre moitié du support. C'est là en fait que j'ai réalisé une petite modification, puisqu'une fois que vous aurez réalisé ça, vous ne pourrez plus modifier l'inclinaison de votre support suivant l'été ou suivant l'hiver. Et moi ce que je veux, c'est pouvoir modifier l'inclinaison position été, position hiver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fixer avec ce trou là un écrou de chaque côté de M10, une cale en bois à l'intérieur ici pour éviter aux deux parties de se serrer au vissage, puisque moi en fait plutôt que d'avoir un boulon ici, un boulon ici, donc une vis, un écrou, rondelle, une vis, un écrou, rondelle pour fixer l'ensemble, je vais avoir des boulons que je me suis fabriqué. Donc j'ai soudé un écrou sur une tige filetée en inox que j'ai coupé à la bonne longueur et je vais pouvoir venir traverser mon support complet pour régler mon inclinaison et la modifier à loisir. Puisqu'en fait, pour pouvoir modifier, si je voulais pincer juste avec des écrous de chaque côté, il faudrait que je puisse accéder par le dessous. Et pour accéder par le dessous, il faudrait que mon support il soit comme ça. C'est-à-dire qu'il dépasse de ma structure en béton pour que je puisse après aller défaire les trois écrous de chaque côté. Ce qui est relativement fastidieux et compliqué. On les voit ici. Là, ici, un petit écrou ici, il y a le même de l'autre côté, ici. Là, il y en a un de chaque côté qui fait l'articulation. Et là, j'ai une grande tige filetée ici, avec une cale en bois. Je ne sais pas si on va la voir, mais ma cale en bois, elle est dedans. Et elle me permet de maintenir le pincement lors du serrage. Et comme ça, eh ben, une personne viendra maintenir le panneau solaire quand on voudra modifier, va se mettre derrière, va maintenir l'inclinaison. Je vais défermer 4 écrous, donc 2 ici, 2 sur l'autre côté, et je vais pouvoir modifier l'inclinaison pour l'été et modifier pour l'hiver, sans avoir
ma structure métallique qui va dépasser de mes murets où on risque de venir s'attraper dedans. Et ce qui va aussi faire en sorte que quand l'eau va couler sur mes panneaux solaires, elle viendra tomber sur ma dalle et non pas sur ma terre pour creuser mon terrain. Alors je vais déjà fixer ma petite cale en chêne. Donc j'ai légèrement biseauté puisqu'à l'intérieur avec le pli, ça ne rentre pas sur la largeur. Voilà. Et ce que je ferai, puisque là elle me bouge des trous, je vais venir l'incliner légèrement. Voilà. Et quand je vais serrer, eh bien en fait, ici, je suis maintenu ici, donc la tôle ne peut pas se rapprocher, et je serai maintenu ici, ce qui fait que je vais pouvoir pincer correctement pour maintenir ma structure. L'avantage, c'est que ma cale est déjà en chaîne, et de plus, posée comme ça, elle sera à l'abri des intempéries, et donc de l'humidité, elle devrait tenir relativement longtemps dans le temps. L'avantage, c'est que ma vis, elle vient à fleur, elle n'empêche pas le glissement de la plaque supérieure sur la vis. Je vais faire pareil pour le deuxième. Donc ensuite, je vais venir mettre donc cette pièce-là qu'on a assemblée tout à l'heure dessus et le trou qui se trouve à l'angle ici va se raccorder au trou qui se trouve à l'angle ici et celui-là aura les deux écrous de M10, les deux cours, hein, ceux qu'on ne mettra pas, les deux qu'on ne mettra pas là, mais ces deux-là on va les mettre ensemble. Pareil, la vis, la rondelle et ici on a des écrous freinés, des écrous nil stop. Les écrous freinés, c'est bien ceux qui ont le filet bleu autour, hein. Donc là on sera sur une clé, c'est une clé de 17. Je l'étends bien, ça ne m'empêchera pas d'articuler. Hein. On fait pareil pour le deuxième. Donc là, si vous voulez continuer comme pour la notice, vous allez mettre le réglage que vous souhaitez pour l'inclinaison et vous allez continuer en mettant deux écrous supplémentaires, un ici, et pareil de l'autre côté. J'ai donc relevé la partie supérieure qu'on vient de fixer à l'instant, je l'ai mis à la verticale. J'ai mis une grande règle pour aligner mes panneaux l'un envers l'autre, pour ne pas avoir un écart quand on sera de profil, qui en est, qui soit plus reculé que d'autres, qui soit bien aligné ensemble. Et je suis venu mesurer l'écart entre le bord extérieur ici et le bord extérieur ici. Donc je me suis assuré que j'ai bien la même distance entre les deux, que mes deux supports soient bien parallèles. Cet espace-là va dépendre du type de panneau solaire que vous avez. Donc c'est à vous de mesurer en fonction, sachant que il y a un espace de réglage, on le voit ici, ce qu'on appelle une lumière, un trou oblong, sur toute la longueur du support ici. Voilà, ce support-là. Ce trou oblong va permettre de fixer notre panneau solaire, d'avoir une marge d'erreur de toute la longueur de ce trou, ce qui va nous permettre de pouvoir ajuster le panneau et de ne pas être au centimètre près. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre mon crayon et je vais repérer l'emplacement des trous de fixe qui serviront à la fixation des supports à la structure béton. Et je vais faire ça sur tous les trous de mes supports. Il y en a 6. Par côté, donc ça fait 12 x 2, 24 trous à percer. Alors maintenant que j'ai bien vérifié et que j'ai remesuré pour être sûr que ça n'a pas bougé, je vais pouvoir retirer la règle et les supports et percer les trous.
Voilà, on peut voir que mes emplacements de trous sont bien marqués et bien visibles. Ces vis-là font 7,5 par 60 en longueur. Donc il est préconisé de faire un trou à 6 mm. Alors 60, moi je vais percer bien plus profond parce qu'il y a toujours un peu de poussière qui tombe dans le trou. Donc forêt à béton de 6, il est assez long, il doit faire 10 cm. On voit qu'il y a des petits crans sur le devant de la vis, ce qui permet de fraiser le béton et de faire un filet dans le béton en fait. Ça tend raisonnablement, hein. Si vraiment ça tend fort et on sent que la vis commence à tordre, il faut arrêter. Parce que c'est un coup pour casser au niveau de la tête. Voilà, donc là j'approche sans problème. Voilà, là ça commence à tendre un peu, mais ça va. Donc là j'approche, mais je laisse encore de la liberté pour pouvoir ajuster les autres coins. Ça commence à tendre, mais elle va y aller. Tac! Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, j'ai voulu forcer un peu trop. Je pensais qu'il me restait 3 mm avant de la serrer. Paf, elle a cassé. Bon, pas grave. Je vais repercer juste à côté, là, directement avec ma perceuse. Je vais finir ça parce qu'il se met vraiment à pleuvoir, donc je vais ramasser la caméra. Je finis des deux côtés, on se retrouve pour la fixation des panneaux. On va régler la fixation base de notre panneau solaire. On va la fixer sans la serrer, qu'on puisse la bouger. Donc toujours pareil en fonction du panneau que vous avez. Et ça me permettra de l'ajuster en fonction du trou de fixation du panneau solaire. La première, elle est fixe. Et la deuxième, elle est mobile. Je fixerai le panneau solaire. Ensuite, je viendrai la serrer pour qu'elle ne bouge plus. M6, rondelle et écrou derrière. Voilà, je le mets à peu près à l'œil là où il doit être par rapport aux autres. Donc il est approximativement à cet endroit-là. Bon voilà, j'ai terminé de monter donc les 4 supports. J'ai couché donc les parties mobiles. Donc elles sont couchées pour pouvoir aller fixer le panneau solaire. Donc la fixation, elle se fait par des écrous de M8. Et puis on raccroche les pilotes.
Attends, je vais aller commander. Yes. Ah, oh. Ça va. Réglé, oui. Non, c'est bon, j'avais mis 1 cm de. Oui, c'est bon là. Ah ben je vais les fixer. La vis avec la rondelle. On vient la passer en dessous. On va passer l'écrou par-dessus pour rattraper le trou. Je vais pas le serrer à fond, je vais mettre les quatre en place et après je vais venir centrer comme il faut mon panneau sur le support et je vais venir serrer mes vis. Voilà. Donc là je vais insérer mes fameuses magouilles là, deux de chaque côté. Je resserrerai tout, je revérifierai tout après. Ouais. Voilà. Voilà, et ma cale enchaîne empêche la tôle de s'écraser sur elle-même. Voilà, je peux venir serrer correctement.